Coucou les petits loulous! Aujourd'hui, Émilie Lily se fait piéger sur Internet. Lily se fait piéger sur Internet. Il est plus beau que l'ancien. Faudra mettre un antivirus et un pare-feu. Et pas oublier de les mettre à jour. Bravo Lily! High tech girl! On va installer le contrôle parental pour vous protéger des dangers d'Internet. Quel danger? Les virus? Les ordis attrapent la grippe? Oui, des petits microbes comme toi! Les virus, ça rend malade les ordinateurs en se cachant dedans. Mais nous, on ne peut pas les attraper. Oh la super occasion! La console J7 gratis! Vous serez peut-être tiré au sort. Répondre aux trois questions. Fastoche! Et je serai ambassadrice du club. Tu m'en prends une pour moi aussi? Bon, je m'inscris. J'en ai trop envie. Nom, Lily Martin. Adresse, email. Bon, Lily. Ça suffit, et tes devoirs. Après, c'est à moi. Plus tard. Attends, j'éduque mon chat virtuel. Je lui mets une couche pour la nuit. Dépêche, Lily. Où ça, un chat? Attends, c'est une sacrée responsabilité. Et moi, j'élève mes enfants. C'est aussi une sacrée responsabilité. J'arrête, ça fait une heure. Cric. T'as déconnecté. J'ai pas sauvegardé. Il a abandonné mon chat. Un autre enfant s'en occupera. Elle est folle. Tu comprends rien. Il saura pas le code. Mon chat va mourir. Mais Lily, il n'est pas dans le vrai monde. Le bon sens même, Max. On va à la réunion. Lily, à qui tu téléphones? Je réponds aux trois questions, mais c'est long. J'attends le code. Arrête ça tout de suite. C'est une arnaque. Des numéros qui coûtent une fortune. Adieu, console. C'est un piège pour naïf. N'allez pas sur Internet en notre absence. Tu fais quoi? Je chatte avec Clara. Valentine m'a invitée demain. Cette peste! J'espère que tu ne vas pas y aller, Clara. Sinon, t'es plus ma copine. Enfin, si. Mon cœur à Santiago. Ma série préférée? Tiens, c'est quoi ça? Tu te sens mal dans ta peau? Tu te trouves moche? Tu peux te refaire le nez, les seins, les oreilles? Je clique. Tu veux t'amochir encore plus? Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? C'est trop dégueu! Ils sont tout nus. Tu as vu ce qu'ils font? Je ne veux pas voir ça. Oh là là! Attends, laisse! C'est interdit aux moins de 18 ans. Vite, il faut l'enlever. J'entends la voiture. Ça veut pas partir. Ça a bugué. Quand je ferme une fenêtre, il y a une plus horrible qui s'ouvre. Je débranche. Non, ça bousille l'ordi. Max, tu fais quoi? Ça imprime! Qu'est-ce qu'on fait? On la jette où? Ils arrivent! Ça y est, je crois que tout est fermé. C'est bon, on file. Ouf, l'écran est noir. J'entends les clés dans la porte. On la met à la poubelle? Non, ils vont la trouver.
Il faut la sortir de la maison. L'emmener à l'école? Non, pas à l'école. On la déchire, on la brûle. Ça peut intéresser Jérôme et Jérémy aussi, et peut-être tout le monde. Tu es fou. Ils vont croire qu'on est des obsédés. Tiens, l'ordi est allumé. Mais l'écran est éteint. Ah, Paul, c'est toi qui vas sur ces sites? Enfin non, pour qui tu me prends? Alors c'est Max et Lily? Ils sont trop petits. C'est peut-être arrivé avec une pub. Tu sais, Internet. N'en parlons pas aux enfants. Ça va les traumatiser. Clic. Le lendemain, à la récré. Moi, ma mère, elle veut pas m'acheter de portable. Elle dit que je suis trop jeune. Moi, mes parents, ils sont super ok. Et j'ai ma messagerie et mon blog. Je peux me connecter, mais pas question de donner mon ASV. T'as du bol. C'est pas ça qui rend intelligent. Allez, viens, Clara. Elle va voir ce que je lui réserve à la gym, cette frimeuse. Lucien, tu fais le guet. Max, n'oublie pas, on est délégué. C'est dégoûtant, ça fait peur. Moi, j'en ai déjà vu à la télé, sur Internet, et j'ai même déjà tapé sexe par erreur. Mon œil, les garçons, vous pensez qu'à ça? Je veux voir, moi aussi. Un jour, en cherchant un poème, on est tombé sur une image. Ma mère a éclaté de rire. Moi, elle ferait une crise cardiaque. Moi, j'en connais qui ont été renvoyés pour moins que ça. À la salle de gym. Arrêtez, les garçons! Clic! Et après l'école. Valentine était furax. Pour l'exposé, on regardera sur Internet. Je suis contente que tu viennes à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Si les parents savaient! T'inquiète, je la planque pour Jérémy. Il était absent aujourd'hui. Dring! Salut Marlène! Quoi? Valentine a mis une photo de moi sur son blog, sur Internet! Oh! Elle m'a piégée, cette peste! Jalouse et méchante! Je suis affreuse! Et pire, ridicule. En tout cas, c'est bien toi. Bah, tu voulais t'amochir. Toute l'école va être au courant. Ah, je suis mal. Tout le monde ne va pas sur le net, tu sais. Hélas, si, le monde entier va voir ma photo. Et toi, tu n'as rien vu, compris? Quoi? Tu voulais être une star? Dis-le à maman. Non, elle va m'attraper. Elle va dire que c'est rien. Mais pour moi, c'est grave. Que faire? J'oserai plus aller à l'école. Hugo ne va plus m'aimer. Mais si, à demain. Je vais aller sur un forum. Il y a sûrement un moyen. Comment effacer photos sur site? Urgent, Lily. Tu parles à qui, Lily? À personne. Mêle-toi de tes oignons. Tiens, quelqu'un m'a répondu. Bonjour, Lily. Je suis Fabien. Je pourrais trouver la solution à ton problème. Envoie-moi la photo à mon adresse email. Rendez-vous sur ta messagerie. Voilà la photo. Merci beaucoup, Fabien. À tout de suite. En effet, tu ne peux pas te laisser faire.
J'ai trouvé un logiciel efface photo. T'as beaucoup d'amis garçons ? Ben oui, pourquoi ? Peut-on se retrouver dans ton quartier dans une demi-heure ? N'en parle pas, c'est top secret. Ok, au supermarché. T'es comment ? C'est moi qui te reconnais, j'ai la photo. T'es mignonne, t'en as d'autres comme ça effacées ? Maman, je vais chercher un cahier chez Clara. Reviens vite, il fait presque nuit. Où tu vas? Je vais voir un copain du collège qui peut m'aider. Chut! Motus! Mais tu ne me connais pas? Si, on a beaucoup parlé. C'est peut-être lui. Mais pourquoi il m'a demandé d'autres photos de la gym? Alerte, Lily! C'est pour les effacer. Et pourquoi il ne veut pas se décrire? C'est un adulte. Rappelle-toi quand tu as été suivi. Il n'est pas frimeur. Il est calé en informatique. Et pourquoi c'est aussi top secret pour lui? Sois intelligente. Mets-le à l'épreuve pour être sûre. Non, il veut rester discret. C'est pour t'aider. Ouf, elle rentre. On va bien voir comment il réagit. Bonjour Fabien, pas pu venir, j'avais la danse. Mon cousin viendra chercher le logiciel demain. Merci de ton aide. Lily, tu monopolises l'ordinateur. Ça suffit. Au lit. C'est bizarre, je reçois plein de spams qui me proposent des consoles, des logiciels, des jeux. Tout le monde en reçoit ? Il ne faut pas donner son nom, ni son mail, sinon on est envahi de pubs. Oui, on sait. Faut pas donner son SV. Adresse, sexe, ville. Tiens, il y a un super logiciel pour booster mon ordinateur. Je vais le télécharger. Papa, fais gaffe. Karim, il a téléchargé un truc pourri et après, il a eu des problèmes. Oui, madame, je sais tout. Hier, j'ai reçu un message pour faire une chaîne d'amitié pour un cheval en danger et j'ai pas cliqué. Bravo! Il ne faut pas tout croire. Internet vous ouvre le monde et donc des risques. Il faut être prudent. Et maintenant, au lit! Je trouve qu'on s'y connaît beaucoup plus qu'il ne le croit. Fabien va être déçu et fâché. Il va se venger. J'ai peur. Vite, Lily, ton chocolat. Tu vas être en retard. Attends, j'envoie un mot à Clara. Tu la vois dans 5 minutes. Tiens, tiens, il n'a pas répondu. Et il n'y a plus son routine. Bizarre. Mais j'ai enregistré son adresse email. Un peu plus tard. Non, c'est pas vrai. Max et Lily, venez ici tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mes devoirs. Ça, c'est plus important que vos devoirs. Attendez, on l'a pas fait exprès. On va tout vous dire. Vous savez, les photos ou les films porno, ce sont des acteurs qui sont payés pour faire semblant de faire l'amour. C'est pas la vraie vie. Pourtant, on en voit même sur les kiosques à journaux. Ce sont des images fabriquées pour exciter. Il y a des gens qui aiment ça. Et c'est pour faire vendre. Ce n'est pas la réalité. Les femmes ont des énormes poitrines et les hommes sont super musclés. Les chats, ils n'ont pas besoin d'images. C'est vrai, dans la vie, on est beaucoup plus timide avec son corps. Et il y a de la tendresse, du respect, de la passion, de l'amour. Moi, je ne pourrais pas me montrer nue.
À une fille surtout, j'aurais la honte. Déjà qu'à la piscine... Ne vous inquiétez pas, vous découvrirez l'amour et vous vous débrouillerez très bien quand vous serez grand. Sur Internet, on peut aussi tomber sur des images d'une sexualité anormale, avec des adultes qui aiment se faire mal ou qui se servent d'enfants. Des tordus ou des malades, et qui s'envoient des photos d'enfants nus. On connaît les pédophiles, les enleveurs d'enfants. Oh, ça fait peur. En tout cas, si vous nous avez un problème, vous nous en parlez et on le règle, d'accord? Lily, t'as pas quelque chose à dire? Espèce de rapporteur! Lily? Il va voir ce salopard. C'est impossible d'effacer une photo une fois diffusée. Le voilà, je l'envoie à la police du web. On laisse toujours une trace sur Internet. J'appelle la mère de Valentine. On n'a pas le droit de montrer la photo de quelqu'un sans son accord. Les parents sont responsables. Elle va me détester encore plus. C'est elle qui a fait une bêtise. Toi, tu aurais dû nous en parler aussitôt même si tu as bien réagi. Après tout, on va aller à la gendarmerie. Tu viens, Lily? Avec Max, ça arrive aussi aux garçons. Heureusement, c'est rare, mais ça arrive que des enfants disparaissent après un rendez-vous sur Internet. Il y a des pédophiles qui rôdent sur la toile. Voilà, adjudant Mars, ce qui s'est passé. Je prends votre plainte, on va essayer de le retrouver. C'est pas facile. Alors soyez vigilants. Le lendemain, c'est dimanche. Oh, merci les enfants. Mais j'ai réfléchi. Le contrôle parental, je ne crois pas que ça suffira. On va supprimer Internet à la maison. Papa, c'est pas possible! C'est trop génial! On apprend plein de choses! Maman, pour l'école, ça sert énormément! Sur Internet, par exemple, j'ai vu notre maison par le satellite! C'est magique! Et les jeux, c'est de la stratégie, je vous montrerai! Mais on devient accro à ces écrans et esclave. Nous aussi d'ailleurs! On peut acheter plein de trucs pas chers en promo dernière minute. Moi, je communique avec Jenna en Amérique. Le soleil ne se couche jamais sur Internet. Comme c'est joliment dit. Elle l'a piqué sur le net, je parie. La tante de Clara, elle a rencontré son mari sur Internet. C'est trop bien! Vous ne vous rendez pas compte, c'est pas de votre âge. Et si on vous promet qu'on fera toujours les devoirs en premier? Et qu'on viendra à table tout de suite. Alors, Barbara, on est d'accord pour une heure par jour? Ok, on installe un contrôle parental. Ça filtrera les horribles sites. Vous serez plus tranquille et on décidera des horaires. Et nous, on peut vous demander quelque chose? Alors vous aussi, pas plus d'une heure par jour? C'est vrai, vous ne jouez jamais avec nous. Nous aussi, on a besoin d'être regardés. Sinon, on n'a plus qu'à s'envoyer des emails. C'est vrai que vous grandissez vite. Il faut qu'on en profite. C'est comme si on vous mettait un petit contrôle enfantal, quoi. Il faut rester branché. J'ai eu la mère de Valentine. Elle lui a confisqué son portable et elle est privée d'Internet. Bon, on se fait quoi pour le déjeuner? T'as des idées, Paul? Non.
On a trouvé des super recettes faciles pour papa. Là, je me suis fait piéger. J'avais bien dit qu'il ne fallait pas les laisser traîner sur Internet. Moi, j'ai toujours trouvé ça bien, Internet. Ouf, enfin dans le vrai monde. Attention, parfois, c'est Inter-Panet. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi. Et si t'es abonné, n'oublie pas de liker.